Salut, c'est MegaDriver 16 sur le jeu Tour de France 2019. Aujourd'hui, la suite de l'Eurotour dans mon Pro Team avec mon jeune puncher français MegaDriver. Nous avons pour objectif de marquer des points UCI équipe sur cet Eurotour. Pour le moment, Driver est leader à la combativité, tant mieux. Là, on a deux étapes qu'on va jouer, celle-là, on va la simuler, hein, le contre-la-montre par équipe. Et donc, on a deux étapes pour conforter, si possible, sa place dans le classement de la combativité à MegaDriver pour faire des points pour l'équipe pour viser la 18e place du classement UCI en fin de saison. On est 19e hein, pour le moment derrière la CCC. À une cinquantaine de points derrière, il faut qu'on essaye de marquer des points. Et on essaye aussi, mais ça on n'y arrive pas, de faire progresser en stats MegaDriver. Mais ben voilà, il est toujours dans des échappées avec des gars plus forts que lui pour pouvoir marquer des points, pour pouvoir franchir des cols en tête. Ça ne fonctionne pas. Il va falloir attendre peut-être des courses un petit peu moins prestigieuses, du genre l'Open Tour qu'on aura après, pour espérer peut-être faire quelque chose. Alors, Driver, il est en état de forme normal. Par contre, il commence à être bien entamé. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va pouvoir se positionner à l'avant? On n'est pas trop mal là pour le moment. On est bien placé. On va peut-être pouvoir lancer cette échappée. Allez, et ça contre tout de suite à l'arrière. Ah non, Thomas de Gendt. Non, ça c'est pas bon parce que c'est lui qui est juste derrière nous au classement de la combativité. Bravo les gars, c'est bien. La série 1, allez. Ah non, c'est pas Thomas de Gantier. Le jaune fait rouler son équipe très tôt pour gérer l'écart. Ouais. Eh oh, le lag là, qui m'a fait perdre sa roue. Allez les gars, allez, go, go, go. Il y a qui, on est 3, 4, 5, oui, il y a du monde intéressé. Hein. Ça a l'air bien parti. Vous avez passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Et c'est vrai que... Comment il s'appelle ce De Gendt là, ce frère? Parce qu'au classement de la combativité, on va le regarder là tout de suite. Classement de la combativité. Ah ouais, c'est lui. C'est bien lui, c'est pas Thomas De Gendt, c'est bien lui. Bon, eh ben ok. Faudrait qu'on essaye de rester toujours avec lui alors. On a pris du temps là, en tout cas sur le peloton. On a peut-être un petit bon de sortie. Effrayer ses adversaires. Bon, bah écoutez, si cette échappée est la bonne, je propose qu'on se retrouve un petit peu plus loin avec Meurice qui va nous rejoindre, malheureusement. Je crois que c'est un bon coureur lui. Hein. Ouais. Donc, il a du mal tout seul là, hein. Il a un peu de mal, mais bon. Allez, on se retrouve à la première difficulté. Alors, avec Oliver Nassen dans le groupe, malheureusement, nous arrivons à un col grimpeur. Crevaison, crevaison ! Oh, je déconne, c'est pour réveiller le mécano. Et voilà ! On continue comme ça ! Un petit peu de descente qui précède ce petit col. Je pense qu'avec Oliver Nassen dans le groupe, ça risque d'être dur d'envisager quoi que ce soit. Vous êtes à 2 km du grimpeur. Parce que quand il va partir, lui, ça va faire mal. Hein. Tu sembles être le meilleur puncher du groupe. Tu devrais arriver à passer en tête. Ah bon? Bah écoutez, ça me ferait plaisir, mais j'y crois pas trop. Alors, le doigt en position sur la gâchette. Il reste 500 mètres, ils n'ont toujours pas déclenché les hostilités. C'est à nous de le faire, là. C'est à nous de le faire. Allez, on se retourne pas, on y croit. Oui, on y croit, celui-là. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. Oui, c'est bon, ça. C'est bon, on va vite les attendre, hein, bien évidemment.
Les copains, ça nous fait un petit point de plus. Sympa, j'y croyais pas. Hein. Oliver Nassan n'a pas voulu jouer, je sais pas. C'est bizarre. À moins qu'il ait vraiment des notes pourries en vallon, je sais pas trop. En tout cas, pour la combativité, pour tout, en fait, et pour nos augmentations de stats en vallon, ça fait du bien d'être passé en tête. Un peloton toujours à 4-0-2, bon, je pense que ça sert à rien. On a vu que je passe encore en tête d'autres cols de catégorie 4. On a vu que c'était un point maximum par étape dans chaque catégorie de stats qu'on veut augmenter. Donc, que je passe en tête de tous les cols catégorie 4 ou un seul, ça reviendrait au même. Donc, on va pas trop se fatiguer et se retrouver... pour le coup, dans le final. Oui, peut-être au sprint intermédiaire. Alors, un moment clé, puisque... Regardez, on n'a plus de rouge, mais on est où, là? On a passé la zone de ravito, ouais, donc ça sert à rien de bourrer dedans, là. C'est Oliver Nassan qui a des fourmis dans les jambes. Hein. Il veut nous décramponner du truc. Je sais pas pourquoi. Bon, ben là, sans trop de difficultés, on va passer en tête de celui-là, mais on s'en fout un peu. Attention, tu vas pas tenir ce rythme très longtemps, tu risques une défaillance. Ouais, on risque une défaillance, on est bien au courant. On est bien au courant, mais c'est vrai qu'Oliver Nassan, ben voilà, il a envie de la jouer solo. Donc, il nous fait mal, et d'ailleurs, ça se ressent au niveau des barres bleues. J'imagine que lui, il a plus de réserve que nous, hein, bien sûr. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on décramponne Arnaud de Gant, là. Enfin, Arnaud, je sais pas comment il s'appelle, d'ailleurs. Eh ben voilà, regardez à nouveau Oliver Nassan. Ben, c'est une petite attaque, ça. Hein. Ben écoute, moi, je viens avec toi. Ça a pas l'air d'être un bon jour pour lui. Il est en train de se faire lâcher. Il faut être vigilant, on ne peut pas se permettre d'accélérer tout simplement en se disant ça va aller au bout, on reprendra que quand on manquera un peu de bleu, parce que ça attaque tout le temps. Ben regardez, maintenant c'est à lui. C'est au coureur de la Katusha de tenter son truc. Bon, ce sont des petites attaques, hein. Mais ça nous fait quand même bien chier, parce que vu le peu de bleu qui nous reste, et on est encore à 66 km de l'arrivée, j'ai peur que... ces deux guns là, ils nous prennent des points à la combativité des kilomètres. Sinon, on n'arrive pas à faire le final avec eux. Oh non, il est encore énervé, Oliver Nassan. Regardez, il a voulu repartir. On va être obligé d'utiliser notre bleu. Hein. Allez, allez-y, allez le chercher lui si vous voulez. C'est vraiment des toutes petites attaques qu'ils font, c'est particulier. Hein. Juste pour fatiguer les coureurs. Allez, vas-y, va le chercher. Voilà, moi je prends ta roue. Quelle bande de bourrins quand même. De Gant, il perd quelques mètres. De peloton. Les intentions ont l'air claires. Jouer la victoire au sprint. Allez, on peut récupérer un petit peu ici, un petit peu de bleu, ouais, pas beaucoup. Les adversaires ont le rythme pour résister au peloton. Continuez comme ça. Allez les gars, allez, go, go, go. Allez, on y va. Bravo les gars, c'est bien. Alors, il va y avoir à nouveau une descente. Elles sont particulières, hein, ces étapes, ça me fait penser, dans une moindre mesure, à celle de Sheffield. Toujours en toboggan. Montée-descente. Allez les gars, allez, les gars. On continue comme ça. Lâchez rien. Allez. Un peloton à 3-14, hein, qui va réussir à revenir normalement. Allez, je croyais qu'il y avait un petit peu de descente normalement dans le profil là. Tu rigoles ou quoi? Nassan, il veut qu'on lui passe un relais alors qu'il arrête pas de nous attaquer comme un porc. Ah, j'aimerais bien qu'il ait une petite défaillance, Oliver Nassan, ça lui apprendra à essayer de nous décramponner toutes les deux secondes. Allez, laissez-nous profiter de cette zone pour faire un peu d'aérodynamisme. Non, ils veulent pas.
C'est chaud, en plus c'est sinueux. Faut pas se viander là. Hein. Le maillot jaune a été mis en danger, mais il est de nouveau en tête du classement général. Alors, c'est quoi? C'est un sprint intermédiaire là qui peut être intéressant. Et essayer de le remporter, même si Oliver Nelson est de loin le meilleur sprinteur du groupe, bien sûr, mais est-ce qu'il va tenir la distance sur cette côte? Après, faut pas que je me trompe d'objectif, hein. Ce que je veux, c'est être au maximum à la combativité, donc peut-être qu'il vaut mieux s'économiser. Non, non, on passe pas de relais, mon gars, tu rigoles ou quoi? C'est le meilleur sprinteur du groupe. Prends sa roue si tu veux marquer des points. Ouais. On s'en doute que c'est le meilleur sprinteur du groupe, hein, Oliver Nelson. Y a pas de soucis là-dessus. Les autres, je les connais pas, de toute façon. Ah, ils vont m'obliger à prendre du vert, du bleu, là, je veux dire. Vous êtes à 5 km du sprint intermédiaire. Allez, récupère un petit peu de bleu, ça te fera pas de mal. Bon, de toute façon, ouais, vaut mieux que je préserve mon coureur en vue de l'amener le plus loin possible dans cette optique de la combativité. Hein. Donc, on va pas faire le sprint. Oliver Nelson, il va s'en emparer sans aucun problème. Par contre, ce serait bien qu'il nous défonce pas trop là. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Allez, je prends un petit peu de bleu. On va laisser Oliver Nelson prendre ses points du sprint. Les équipiers accélèrent. Oh, bah d'accord. Il fait un lancer de vélo. Ça, c'est marrant. Tiens, Oliver Nelson, il va repartir. Encore une fois. Nous, on s'en fout. Hein. Crame-toi, mon gars. Nouveau leader pour le maillot vert. Ouais, je sais pas qui c'est le nouveau leader pour le maillot vert. Allez, il n'y a pas les pentes nécessaires, hein, pour classement général. Suffisante. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Pour faire de l'aérodynamisme, mais je le fais un petit peu quand même. Si on peut récupérer du bleu. Allez, Vernassen, il est parti là. Il est bien parti. Bon, bah écoutez, on se retrouve un petit peu plus loin, voir un petit peu ce qui se passe dans cette étape. Alors, à 39 km de l'arrivée, il n'y a plus beaucoup de bleu, hein, donc ça va être chaud avec Mega Driver de rester encore dans cette échappée. Mais le peloton qui est en train de revenir, hein, vitesse grand V. Alors, en plus, là, on va entrer dans une zone potentiellement avant. Voilà le classement du dernier grimpeur. Et c'est maintenant que ça va se jouer. Est-ce que l'autre, le De Gunt, là, il va pouvoir tenir la distance? Ou est-ce qu'il commence à être cramé aussi, comme nous? Ça remonte, là, en plus. C'est chaud. C'est chaud pour nous, pour cette histoire de la combativité. On engrange des kilomètres, hein, certes, mais c'est pas évident. Hein. Allez, on se met en mode... on dépense pas trop d'énergie. Et encore une petite bosse non répertoriée, mais qui fait mal. Hein. Derrière, j'ai pas regardé comment ça se passe pour mes coureurs féminins. Il est bien. Allez, les autres, ils vont tous prendre leur ravito. On va offrir une protection... Ah, allez, tiens, Odeg, tu vas protéger. Est-ce qu'il peut, lui? Pas vraiment en état, mais bon. Backlands, t'as qu'un protégé Rilkeze, au cas où. Fellini va se débrouiller tout seul. Ok, je vais le protéger. Allez, les gars, courage. Zone exposée au vent, est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça va venir complexifier encore cette étape, le vent? Le peloton est maintenant pointé à une minute. Ah ouais, ça va rentrer, mais tant mieux, hein, d'ailleurs, parce que pour la combativité, c'est pas mal. On n'aura pas perdu un kilomètre sur ce De Gunt, hein, si jamais le peloton revient maintenant. Attention les gars, on arrive sur une zone dégagée. Oh putain, il y a du vent. Comme prévu au briefing, il y a du vent. Allez les gars, restez, on continue à l'avant. Comme ça. Allez les gars. Go, 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 go.
Ouais, ça va complexifier ce final. Ouf, ouf, ouais, puis il y en a un, il y va là, il roule. Et j'aimerais bien que le peloton revienne parce que nous, on n'a plus beaucoup de bleus. On se met bien à l'abri dans la roue d'Oliver Nassen. Non, non, on passe pas de relais, toujours pas, t'es fou quoi. J'aimerais bien savoir où il en est, le De Gendt, là, de sa barre bleue. Parce que nous, là, on flirte avec la défaillance, donc... J'espère qu'il est à peu près au même niveau. Il y a encore un col répertorié, ouais. secondes. Allez les gars, là, du peloton, faut bourrer là un petit peu pour revenir sur l'échappée. Et un petit peu de zone de descente là, c'est intéressant. Attention de pas se faire décramponner quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi ce zigzag qu'il nous a fait de gain? On fait n'importe quoi là. Ah ouais, d'accord, ça attaque. L'échappée est en train de résister au retour du peloton. Mais ça va être compliqué. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Ah mais merde, quel bourrin! Le meilleur puncher du groupe. Tu devrais arriver à passer en tête. Ouais, sauf qu'on a plus de bleu, donc... Passer en tête, on s'en fout surtout. On l'a déjà fait une fois dans cette étape, ça nous suffit largement. Oh non, le peloton qui a lâché du lest. Il a une 0-3 maintenant. Ça, c'est pas bon du tout pour nous. J'aurais bien aimé qu'il revienne. Ah là, il va y avoir un peu plus de plat. Avec l'échappée, une minute. Ah, et il a pas l'air au mieux de gagner. Regardez la position qu'il avait là. Comme nous, on n'est pas bien du tout. Allez, Oliver Nassen qui prend ses points. Très bien. Bien lui en face. Il y a le Katusha qui arrive à rester avec lui. De Gendt, il a l'air un peu cramé. Ça y est, à 52 secondes, ça veut dire qu'ils sont juste à nos basques là. C'est bon, on va se faire reprendre. On va pouvoir se concentrer sur quelqu'un d'autre maintenant. Oh là là, il tente. L'écart diminue les gars, le peloton devrait jouer la gagne. L'écart diminue, 45, ouais mais c'est pas encore ça. Hein. Bravo, les gars. Allez, les gars, courage. Bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer Odeg à l'attaque. Comme ça va peut-être faire bouger le peloton et puis là on va prendre la main avec Riquezé peut-être plutôt. Riquezé qui est protégé. Et Driver, on va lui demander de nous attendre tranquillement. De finir sans à-coup. Ok, je vais attaquer. Courage, on continue. Allez les gars, courage. Parce que là, il ne reste pas vraiment de difficulté. Par contre, ouais, merde, on a donné tout son bleu à ce coureur-là, à Riquezé. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Et c'est bien ça. Continue, mon gars. On va te redonner du rouge, d'ailleurs, pour que tu continues ton effort. Ça marche. Je me ravitaille. À 118 coureurs, là. C'est bon, il est passé. Oh, il y a toujours Oliver Nassen devant, qui nous fait un fort numéro, comme d'habitude. Allez, go, go, go. Ça y est, allez, on revient. On revient sur les échappées, même si De Gendt, il tente encore une fois d'attaquer. Allez, les gars. Courage. Mais ça va pas être possible pour lui. Mais voilà, ça, bon, il s'est fait reprendre. Bon, ben pour la combativité, c'est pas mal. Allez, on peut accélérer le les temps. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Eh ben, qu'est-ce que ça? Pourquoi on est décramponné avec... Ah oui, c'est parce qu'il y a une cassure qui est en train de se jouer.
Et mes coureurs, comme des abrutis, ils se sont fait prendre dedans. Qui c'est là qui c'est dans mon équipe? Féline, et lui, il s'est pas fait prendre dedans. Pendant le sprint, essaie de rester dans les roues le plus longtemps possible pour profiter de l'aspiration. Bon, alors, on va prendre notre rouge. On va essayer de se calmer un petit peu. Là, ça devrait descendre normalement d'ici peu. Plus que 68 coureurs là-dedans. Hein. On a pris tout notre rouge. Et la descente, elle est où? La descente, elle est où? Merde, il redonne un coup d'accélérateur là, côté peloton. Ça va être chaud. Niki Terpstra, le maillot vert, il est devant nous. Ah, on va pas pouvoir tenir là. On va pas arriver à la descente, j'ai l'impression. Surtout avec tout ce vent. Que c'est tendu. Ouais, non, ok. Alors on va prendre la main avec Féliné parce qu'il n'y a que lui là qui peut faire quelque chose. Il est caissé, malheureusement pour nous, il craque. Sprint massif en perspective. Attention, il y a un CCC là. J'espère qu'il va rien marquer du tout comme point. On nous arrangerait bien. Ça y est, on a pris tout notre ravitaillement de bleu. Poussez-vous, Féliné. Je crois qu'il est honnête en sprint. Hein. Ça va pas être évident de se battre face aux autres, mais bon. 1,7 km. Putain, le CCC, il est dans le coin là. Dernier kilomètre pour sprinter. Allez, Féline. Oh merde, le CCC, il revient à bloc. Il va gagner ou quoi? Oh le con, oui, il a gagné. Oh là 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 là, c'est pas du tout bon pour nous. C'est pas du tout bon. C'est qui? C'est Greg Van Avermaet à ce niveau-là qui s'est imposé. J'imagine, hein, c'est une étape qui peut très bien lui convenir. Mais quelle tuile pour nous. Quelle tuile, en effet. Ça voudrait dire une autre saison encore avec des coureurs très limités. Hein. Ouais, c'est ça, Greg Van Avermaet qui remonte et qui vient s'imposer. Oh là là, oh là là, que c'est pas bon. Que c'est pas bon. Heureusement que pour la combativité, on a assuré qu'on a marqué un petit point supplémentaire avec notre coureur au niveau des stats là. Cette étape est pour lui, il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Greg Van Avermaet. En effet. Monté sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Finé toujours en jaune. Maillot jaune. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Terpstra toujours en vert. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la marque à tout grimpeur. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le en blanc. Bon, eh ben écoutez, c'est mitigé. C'est mitigé parce que j'espérais que la CCC ne marque rien et là elle nous prend un avantage, je pense, définitif maintenant dans la course à cette 18e place. Bon, on visait un top 10 sur cette étape et c'est raté. Ouais, dommage. 15e Féliné, on voit que ça fait rien. De toute façon, on pointe la 15e place. Ouais, c'est pas bon du tout. Classement général, d'accord. Féliné, il est 9e, tu vois, oui, pas mal, mais bon, comme il pourra pas garder cette place bien longtemps. À cause du contre-la-montre par équipe. Marcato, on l'a vu. Ouais, tout ça, on a vu. Et à la combativité, on est toujours devant le Degant. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Par contre, là, ici, on va regarder. C'est pas bien du tout ce qui vient de se passer. Alors, regardez, voilà, ils ont 87 points d'avance maintenant. Je vois pas comment on pourrait aller les chercher de ce côté-là. Là, on n'a rien marqué comme objectif. Quoi, on n'a rien marqué? Ah oui,
Commençons le briefing de cette étape. Par contre, il y avait un petit code catégorie 4 qu'on a fait, oui. Une partie finale qui devrait convenir au puncher. Ah, et Mur de Bretagne, il dit qu'on n'a pas de chance, j'imagine. Si on marque assez de points... Voilà, Mur de Bretagne, on n'a personne qui peut assurer dans l'équipe. Par contre, faudrait essayer de conforter et de finaliser ce classement de la combativité. Mais finalement, non, ça sert plus à grand-chose, je suis en train de me dire. Avec la victoire d'étape de Greg Van Avermaet, comment rivaliser maintenant, à part tout rafler, peut-être sur l'Open Tour, mais ça, on n'y croit pas beaucoup. Alors là, c'est la tuile par rapport au plan qu'on s'était fixé. Bon, ben, on va essayer quand même d'envoyer Mega Driver dans l'échappée, on sait jamais ce que ça peut faire, et puis c'est toujours des points bons à prendre. Bonjour à tous et bienvenue. Pour cette traversée de la Bretagne d'ouest en est, on risque bien d'assister à une explication entre favoris. Avec la double ascension de Mur de Bretagne dans la partie finale, les possibilités de grappiller quelques secondes sont bien réelles. Et merde, là on est complètement coincé, regardez. Oh putain, là ça veut dire que la combativité, ça va être chaud d'aller la chercher parce que ça va partir très tôt et que nous on va être très loin. Ah là 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 là, comme on était mal placé. Il suffirait que ce soit Arnaud de Gand qui parte là et on est mal. Ah, ça parle. Non, il se rabat devant nous, les cons. Skyjin qui essaye de partir. Allez, on essaye de pousser les Ineos, de pousser Van Der Poel. Il est tout seul, surtout Skyjin. Ça va, quoi, tranquille, hein. Il va se faire sa petite échappée tout seul. Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Bah ouais, je sais. C'est que lui, il est parti pour une échappée solitaire, j'ai l'impression. Il continue son bordel de trucs. Pour l'échapper, c'est bien parti. Le peloton roule fort, restez bien placé. Ah là là, regardez, puis là on est mal là. T'es bientôt à bout de force. Essaie de gérer si tu veux éviter une défaillance. Allez, courage, on continue les gars. Alors, on a qui dans ce groupe-là? C'est bien qu'on se soit fait rejoindre, finalement, parce que tout seul, on n'y serait jamais arrivé. Allez le rejoindre, là, parce que Jin, il est fort. Hein. Je comprends pas comment il peut résister comme ça. Une 14 d'avance pour ce groupe, pour Jin, et on peut dire à peu près pour ce groupe. Ah non, ça roule plus. Ça roule plus, les gars. Quand c'est pas un de Gun, c'est l'autre. Bon, je sais pas trop quoi faire là. C'est peut-être la bonne. Je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que je me mettrai pas en ne pas collaborer avec eux? Je les laisse nous ramener. Si jamais on se fait pas décramponner, bien sûr. Le peloton n'a pas l'air de réagir. Je crois que c'est parti pour être la bonne. Ouais, 2 minutes. Est-ce qu'on continue à perdre du bleu? Non, ça a l'air d'aller. On va se diriger tranquillement vers la première difficulté du jour. Alors j'espère que ça va être tranquillement. On va voir s'il y en a qui ont des velléités d'attaquer dans ce groupe. Pour le moment, on est bien. Et je pense que là, on est en train d'asseoir définitivement la combativité pour Mega Driver. Mais bon, qu'est-ce que le classement annexe de la combativité comparé à une victoire d'étape qui lui a valu 34 points ou un truc comme ça, alors que nous, avec la combativité, on aura quoi? On aura 15 points peut-être? 10, je sais pas. 10 ou 15, je ne me rappelle plus. T'es celui qui a le plus de points pour le maillot vert dans l'échappée. Ouais, bah, le maillot vert, on s'en fout un peu, hein. Je sais pas combien je suis, mais je suis quand même très loin. Par contre, là, on va arriver.
C'est toi qui as le plus de points de la montagne dans le groupe de tête. Ouais, d'accord, c'est moi qui ai le plus de tout, mais bon. Alors. Il faut peut-être rester concentré. Bon, d'un autre côté, là, je sais pas trop ce qui va se passer. La première côte de la journée est classée en quatrième catégorie. Il y aura donc un point à marquer pour le classement de la montagne. J'imagine qu'il y en a des bien plus forts, là. Il vous reste 2 km avant d'arriver au grimpeur. Puis il y a De Gendt, hein. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Ouais. Ça m'étonne pas. Alors, comment il se comporte, là? Est-ce qu'il me le laisserait pas? Tout simplement parce que je suis sympa. Non, j'ai l'impression que non. Oh, qui c'est là-bas, là, qui nous embête? Ah non. Oh oui, c'est De Gendt qui surgit de nulle part, qui réussit à le prendre. Oh, quel filou celui-là, comment il nous a fait le coup là. Hallucinant. Hallucinant comment il a réussi à se faufiler et à remporter ce col grimpeur. Ah, il va y en avoir un autre, hein. C'est pour ça que je me permets d'accélérer sans couper la vidéo. Essayer de faire du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Oh là, oh là, on a failli se faire avoir là. 3,9 km, si je les attaquais ici pour tenter le coup. Il n'y a que comme ça, je pense que je pourrais les avoir de toute façon. Oh là là, d'accord, ils sont revenus. Comme une bombe. Pourtant, je croyais avoir fait une belle accélération. Hein. Eh ben non, ils étaient là, tranquilles. Ok. Ils ont rien ressorti. Et ça leur a pas fait mal du tout. On n'est pas encore bien au niveau, hein, c'est clair, avec Mega Driver en termes de puncher. Parce que là, c'était moche. Hein. C'était moche de se retourner et de les voir à 2 cm de nous. Bravo les gars! Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Oui, on a compris que c'était le meilleur puncher de l'échappée, c'est bon. Oh, ça y est, il y va d'ailleurs. C'est Thomas De Gendt en personne qui lance la première banderille. Ah, le con, il nous a encore eu. Voilà le classement du dernier grimpeur. Il nous a encore eu, le salaud. Bon. Et eh ben là, il n'y a plus grand chose à jouer. On va se retrouver au sprint intermédiaire. Sait-on jamais. Chute collective. Sprint intermédiaire, en effet, on y est. Bon, j'imagine qu'il y a des sprinteurs qui sont bien meilleurs que nous. Surtout qu'il est en faux plat montant, non, ce sprint intermédiaire, on dirait. Ah oui, 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 oui. Clairement. Clairement, on sprint, ouais. Oh, ils y sont déjà là. Il a l'air fort, le gars, là. Oui, ben voilà, ça nous fait un petit point. Tant mieux, tiens, ça vous apprendra. Bon, même si moi, je préférerais, je l'avoue, avoir des cols grimpeurs, hein, plutôt que des sprints. Mais bon, on peut pas cracher dessus. Alors, ben là, ça y est, j'ai pris mon ravito. On va se retrouver tranquillement dans le final. Est-ce que l'échappée pourra encore espérer marquer quelques points? Je ne sais pas. Alors, mur de Bretagne, on y est. Attention, ils attaquent déjà, là, les gars. Baisse un peu le rythme, tu vas vite le payer.
On est encore là dans l'échappée, donc tant mieux pour nous. Il reste 2,3 km, il va être dur. Ça commence à monter pour la tête de course. Et c'est le premier kilomètre qui est le plus pentu. On frôle ici les 10% de pente moyenne. Ils attaquent, les gars. Et nous, on n'a pas ce qu'il faut pour aller... pour aller les contrecarrer. Thomas De Gendt, ça a l'air d'être le plus fort. Non, pas sûr. Oh là là, oh là là, les gars. Vous êtes bien trop forts pour nous, là, hein. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Ouais, ben il le prouve, hein. On est bien d'accord. Pour aller lui chercher son col de catégorie. Ah oui, c'est un col de catégorie 3. D'accord. Bon, ben ouais, c'était... J'avais beau avoir du bleu, des ravitaux dans tous les sens, c'était pas possible. C'était pas possible. Qui c'est qui va le prendre là? C'est De Gendt, non, qui va prendre ses cols. On est en défaillance. Voilà le classement du dernier grimpeur. Bon, et eh ben écoutez, là, ça veut dire qu'on se prend la main avec Féline. Féline qui va continuer. Il y aura un point à... Driver, on va lui dire de finir tranquille, bien sûr. Nous, il n'y a plus grand monde qui peut nous protéger, donc avec Féline, on va se débrouiller tout seul. Il reste 14 km, il va se refaire un petit peu, non, là. Est-ce qu'il va réussir à se refaire, là? Les coureurs vont maintenant revenir vers Mur de Bretagne pour effectuer une dernière ascension. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? Ah oui, 6 km 7. Dernier pointage avec l'échappée, une minute. Une minute encore à 6 km. Ah oui, d'accord, ils sont forts, hein, mais Thomas De Gendt, on sait... Il est limite un peu cheaté dans le chemin, d'ailleurs. Ça va être tendu avec la dernière bosse. D'accord, il y a encore deux CCC dans le coin, donc ça fait mal. Allez, courage, les gars. Oh putain, regardez-moi ça, comment il donne du coup de pédale, là. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Mais vous allez pas nous dire que Van Avermaet, il va encore faire son malin, là. Attention, compte. Ah non, c'est Bévin. Allez, on prend notre ravito de bleu. On prend le ravito de bleu avec Féline. C'est la dernière ascension pour les hommes de tête. Et avec une telle avance, ils peuvent déjà songer à la victoire. Peloton groupé. Seuls les coureurs encore frais pourront faire la différence dans le final. Oh là là, ils attaquent. Ils attaquent. Donc on va essayer d'y aller. Ah, mais ne nous faisons pas bloquer, s'il vous plaît. Il essaye de sortir, attention. Qui c'est qui essaye de sortir, là? On n'a plus de rouge, il faut prendre notre ravito. Ce qu'il y a, c'est que quand on prend le ravito, on est à la rue. Dernier Moscone devant nous. Attention, il attaque. Oh, Van Der Poel, il est fort. Il essaie de sortir du peloton. Attaque en tête du peloton. C'est pas le moment de se regarder. Ah, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a plus de rouge, là. On n'a plus de rouge avec Féline, alors que derrière ça revient dans les 50 derniers mètres, comme des bourrins. Ouais, bon, ouais, on fait peut-être une petite place honnête, hein. Oh, il y a encore un CCC derrière nous. Quand c'est pas Van Avermaet, c'est l'autre. Le ralenti. Avec malheureusement Féline qui va tomber à court de rouge. Là, il zigzague, ça y est, on n'en a plus. On n'en a plus. On peut faire le tour, là. Il y a Van Der Poel qui est bien placé, mais qui ne gagnera pas. Oh là, il y en a un qui est très fort, là, qui est parti. Et nous, on est combien, là? Ah ouais, on se fait doubler. Je sais même pas si on va faire un top 10, finalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est pas gagné du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, peut-être qu'on est 8e. Et qui c'est ce coureur qui s'est imposé, là? Qui a levé des bras, qui a fait une belle perf. Hein.
Allez, regardons ça. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape. C'est pas... C'est... Non, Benoît. Ah ouais. Benoît. Il est en tête du classement. Oh oui, il est en tête du classement. Les honneurs du protocole. Il est dans une forme étincelante. Telstra toujours en vert. Il va monter sur le podium pour recevoir Marcato, son toujours avec son maillot à poids. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Tige Benoît au maillot blanc, bien sûr. Donc, récapitulons, est-ce qu'on a peut-être marqué un ou deux points avec Féliné, avec cette place, dans le top 10 de cette étape. Ensuite, la combativité, il a fait ce qu'il fallait, Mega Driver, pour l'obtenir. Vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. C'était Van Avermaet maintenant qui était derrière, ok. À la 13e place, normalement, il marque rien. Tandis que Féliné doit peut-être marquer un ou deux petits points. Au Roglic, il était fort aussi, Roglic. Hein, et Danny Moscon devant Kwiatkowski, d'accord. Voilà pour l'étape. Ça nous donne quoi au niveau des classements? Bon, mais de toute façon, nous, on est loin. Non, on est 6e, mais Féliné, voilà, il va tout perdre. Malheureusement, l'heure du chrono par équipe. Donc, faut pas compter dessus. Maillot à poids, on s'en fout. Maillot vert, ben, à chaque fois, c'est Driver qui est en tête. De tout ça, maillot blanc, meilleure équipe et combativité Driver, bon ben c'est bon, on l'a remporté, c'est déjà ça de prix. Est-ce que on augmente là un petit peu normalement, là, j'ai... Bah, ouais, 4 points, bon mais c'est pas grand chose hein, 4 points, mais bon, allez on continue et on va terminer une étape de vallon, 10/10, c'est bien ça. Ça nous fait un 75, ça y est, on peut se considérer honnête. En vallon, à partir du moment où on a 75, c'est sûr que c'est intéressant. Regardez, il nous en manquait une, c'est ça. Terminer l'étape de vallon, 10/10, ça y est, c'est fait. Bon, bah écoutez, 75 en vallon, c'est intéressant. Il faudra augmenter la montagne un petit peu, mais bon, ça c'est autre chose. 75 en endurance, 76 en résistance, 76 en récupération. C'est pas mal. C'est la dernière étape. Ouais, c'est la dernière, on peut rien jouer du tout, donc étape rapide. Étape rapide et ben, malheureusement notre petit Féliné qui va sûrement sortir du top 10 puisque les écarts en plus sont très faibles. Et est-ce que la CCC va encore marquer des points? Allez, sortez-nous de là s'il vous plaît, qu'on regarde. Bon. Les tendues des dégâts, regardez, on est dernier. Ce qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. Si on va regarder... On remporte le classement de la combativité. C'est une belle récompense pour tous vos efforts. Bravo les gars. Ouais, on est 22e. On est 20... Ah, il y avait la Wanty derrière nous. Ok. Et CCC, ils ont... Oh, ils ont bien assuré. Ils sont où, là? CCC Team. Ah ouais, d'accord. Ça donne quoi au général, d'ailleurs? Ah ouais, on a Van Avermaet qui prend encore des points. Ça fait très mal pour nous. Donc nous, on n'a que la combativité qui sert au final à pas grand-chose, tout simplement. Donc on peut faire une croix, je pense, sur tout ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire essayer d'avoir la 18e place, puisque regardez, on reste 19e. Où est-ce qu'on est? Voilà, et l'écart a dû grandir encore une fois. Bah oui, c'est ça, il y a presque 100 points maintenant d'écart avec eux. Donc 90 pour être exact, on peut pas rivaliser, on pourra pas marquer 90 points sur la seule course Open Tour. Donc voilà, ben, c'était le retour enfin fini, hein. Elle était longue en deux vidéos quand même, pour pas grand chose au bout du compte, à part avoir quand même un petit peu augmenté avec Mega Driver. Je vous donne rendez-vous pour la fin de la saison de ce Pro Leader dans l'Open Tour, à plus tard.